Police de Denton, sergent Wells. Albury Estate, le dernier immeuble de la rue. Vous n'avez pas relevé son numéro par hasard ? Non, non, restez chez vous, j'envoie une voiture tout de suite. Lambert, Albury Estate, qui est le plus près ? Centrale à Alpha Bravo 3, où êtes-vous ? Répondez. Alpha Bravo 3, où êtes-vous ? Alpha Bravo 3, répondez. Salut Wayne, quel est le problème ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Ça fait 10 minutes que je t'appelle. Je devais être hors de portée ou bien c'est la radio qui débloque, je crois. Faudra que je garde ça. Encore un appareil qui va finir en pièces. Dis pas de bêtises, allez. En trêve de plaisanterie, on nous signale un rodéo automobile à Arbury. Arbury Estate, j'y vais. Excusez-moi. Espèce d'obsédé. Allez, on lève. Essayez d'éloigner les badauds. Allez doucement. Éloignez-vous, laissez-nous travailler, s'il vous plaît. Très bien, oui, je suis à vous dans une petite minute, d'accord ? Donc, oui, vous avez dit que... Voyons voir. Quel était le nom du blessé, déjà ? Messieurs, dames, soyez gentils, éloignez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que je peux utiliser votre téléphone ? Alors, ça va, chérie ? Excusez-moi, c'est confidentiel. Oh, pardon. Salut, c'est moi, on peut parler, là, t'es seule ? Écoute, mon cœur, je crois pas que je pourrais passer ce soir. Oh, inspecteur, vous êtes encore là ? Ah oui, vous essayez de mettre un peu d'ordre dans mes rapports, c'est ça ? Navré de vous le dire, chef, mais c'est une mission quasi impossible, je crois. Non, il suffit de le vouloir, accrochez-vous. Dites-moi une chose, est-ce que j'ai l'air d'un obsédé, d'après vous ? Pardon ? Non, non, rien. Ah oui, de nouvelles plaintes pour vol. Voilà ce que vous faites, classez-les dans le dossier des vols non élucidés, et s'il est plein, vous le mettez directement à la poubelle. Vous parlez pas sérieusement ? Non, bien entendu, inspecteur Webster, c'était pour rire. Monsieur Frost ? Oui, c'est pourquoi ? Un vol au cercle Sherwood. Au club Sherwood ? Vous vous en occupez, chef ? Tout le monde est sorti ce soir. Oui, quand j'aurai bu ma tasse de thé. Dites-moi, ai-je l'air d'un obsédé, d'après vous ? Mike. C'est pas possible. Attends. Et voilà. Vous ne parlez pas beaucoup. Pardon ? Je dis, vous n'êtes pas très bavard. On m'a appris à ne parler que si j'ai quelque chose à dire. Désolé, messieurs, mais il faut une carte.
Armenian Express. Dites à Madame Marianne que le shérif de Nottingham est arrivé. Marianne, fiancée. Robin des Bois, forêt. Shérif. Et laissez tomber. Faites vos jeux, messieurs. Merci. Ça fait plaisir de voir qu'il reste de l'argent dans ce pays. Vous êtes joueur, fiston ? Non, pas moi, je n'ai pas ce vice, chef. Oh, c'est vous, inspecteur. Je me demandais qui ils allaient m'envoyer. Pas le choix, Phyllis. Tous les bons flics étaient sortis, vous pensez ? Et lui, qui est-ce ? Lui, c'est l'inspecteur auxiliaire Webster, qui pense que le jeu est le pire des vices. Ah oui, vous constaterez combien je souffre. Bon. Vous, peut-être pas, mais c'est pas le cas de ce vieux client qui a fait une attaque chez vous. La profession médicale a été unanime pour affirmer que c'est un cas très rare. Il avait le cœur d'un homme de 20 ans. Oui, mais ça arrive souvent chez vous. Vous n'êtes pas venu pour ça, mais pour le vol. C'est moche, qu'en pensez-vous, Webster ? Quel est le montant du préjudice ? Vous le savez ? Si je le sais. Bien sûr, voyons que je le sais. 5138 livres, ça s'est passé lundi et le lundi est une petite soirée. Et à quelle heure ça s'est passé ? Un peu après 11 heures. Mais alors, il n'y a que quelques heures. Oh, mais vous n'auriez pas été prévenu si ce n'était mon gros et gras conseiller juridique qui m'avait dit de le faire pour une question d'assurance. Je n'ai pas eu le choix. Alors relevez tous les détails, puis vous irez au bar prendre un verre sur mon compte et bonsoir, je me charge de régler cette affaire moi-même. Désolé, Phyllis, mais on adore arrêter les suspects. C'est un des rares plaisirs de ce métier. Alors, si vous nous disiez exactement ce qui s'est passé. Je vous ai dit tout ce que j'attends de vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dites ! Il y a deux vigiles ici, logiquement, pour la sécurité, mais c'est beaucoup dire. L'un des deux s'enferme donc avec la recette, pendant que l'autre va chercher la voiture. Quand il revient, il frappe à la porte d'une certaine façon et ils partent tous les deux avec l'argent. Et alors, que s'est-il passé hier soir ? Il s'est passé que Russell, c'est celui qui attend dans le bureau, a ouvert la porte et on lui a jeté de l'acide, je crois, au visage. Mais le temps qu'il déclenche l'alarme, la recette et Keating, son partenaire, avaient quitté les lieux depuis longtemps. Donc, nous savons qui est le coupable. N'est-ce pas, inspecteur ? Bonjour, Leslie. C'est ton vieux pote, Jack Frost. Comment te sens-tu ? Monsieur Frost. Quelle heure est-il ? Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai entendu dire que tu t'étais battu comme un lion pour empêcher ton copain de filer avec le pognon, Leslie. Je n'ai rien pu faire du tout, Jack, c'est vrai, je le jure. Oui, je sais que tu n'as rien fait. Alors vas-y, dis-moi ce qui s'est passé. Moi et Tommy étions dans le bureau à compter la recette de la soirée. Tommy a reçu un appel de la réception lui demandant de rappeler l'hôpital, sa mère étant malade. Il voulait le joindre en urgence. Donc, il s'est rendu à la réception pour téléphoner. Pourquoi il n'a pas appelé depuis le bureau ? C'est uniquement une ligne interne. Oui, d'accord, d'accord. Continue. Il a été à la réception ? Moi, j'ai fermé la porte. Quelques minutes plus tard, il a donné le signal et j'ai ouvert la porte. Seulement, c'était pas lui. Un type m'a jeté un truc dans les yeux. J'ai eu terriblement mal et puis plus rien. J'étais aveugle. J'ai essayé de m'accrocher, mais il m'a frappé à la tête et... La patronne a dû te passer un sacré savon, hein, Leslie ? Oh oui. C'est une femme très dure. Mm-hmm. Où est-ce qu'ils sont, Leslie ? Mais qui ? Eh bien, Tommy Keating et les 5100 bifetons. Ça fait un peu groupe pop, tu ne trouves pas ? Je te le jure, on n'a absolument rien à voir avec ça. Oh, arrête, je n'y crois pas. Ce mystérieux coup de fil, fais-moi plaisir. Oui, bon, d'accord, c'était stupide, je le reconnais. Mais sa mère est malade et Tommy s'inquiétait beaucoup pour elle. Mais je n'y croyais pas, tu sais. Pas ça, non. Pas ça quoi ? Pas à ce qui est arrivé. Je veux dire, pas qu'un dingue s'attaque à Madame Bowman. Enfin, pas moi. Et pas Tommy, en tous les cas.
Allez, viens, je suis affamé, il faut que je mange, fils. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis avec le blessé du rodéo. Il est en salle d'opération. C'est sa femme, là. Un voisin l'a prévenue, elle ne s'était même pas aperçue que son mari s'est élevé. Pauvre vieille. Est-ce qu'il va s'en tirer? Il a une fracture du crâne, une hémorragie interne et en plus, il a 72 ans. Je vois. Excusez-moi. Oui, madame. Mon mari... Il va s'en sortir, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Oui, il va s'en tirer. Pourquoi lui laisser de l'espoir? Il va mourir. Et vous pourriez lui dire ça, vous? Vous en voulez? Jack, t'es au courant de ce rodéo? Je sais qu'un pauvre vieux est à l'hôpital et qu'il y a peu de chances qu'il s'en sorte, hélas. Nous venons d'identifier la voiture avec le numéro de plaque. Elle appartient à Roger Massier. Roger Massier? Si on peut coffrer cette petite crapule, la soirée n'aura pas été si mauvaise. Attends, attends, il a appelé pour dire qu'on lui avait volé. Ah, surprenant, surprenant. Et à quelle heure? 11h24. Et à quelle heure le vieux monsieur a été blessé? Un peu avant 11h. Ah oui. Donc il a blessé le vieux, puis il a appelé pour dire qu'on lui avait volé sa voiture. C'est trop facile, tu ne crois pas? Oui, c'est possible, Jack. Ça lui laisse le temps de garer la voiture et de nous appeler. Oh oui, c'est ce qu'il a fait. Pas besoin de chercher plus loin. Il faut prévenir Melette. Pourquoi? Ben voyons, Jack, tu sais pourquoi. Oh, parce que ce petit fonctionnaire veut tout superviser. Oui, mais ce n'est pas que ça. C'est à cause de tous les problèmes qu'il y a eu dans le quartier. Eh bien, moi, je n'aime pas être surveillé. Un point, c'est tout. Où est Shelby? Shelby? Bon sang, chef, vous m'avez fait une peur. Qu'est-ce que vous cachiez, les joyaux de la couronne? Oui. Oh, dites donc, dans ce rodéo, est-ce que quelqu'un aurait pu identifier le conducteur? Oh, j'en doute, monsieur. D'après les témoins, la voiture avait des vitres teintées. Oh, et le propriétaire dit qu'on lui a volé son véhicule, donc je veux que vous vérifiez tout cela, revérifiez et vérifiez encore. D'accord, je m'en occupe après une tasse de thé. Non, c'est tout de suite. Bon endroit pour reposer tes neurones, n'est-ce pas, fiston? C'est quoi le plan? Ferme les yeux, baisse la tête et fonce. Je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. On entre, on discute et puis on verra bien. Et je discute de quoi? De son boulot. Une des plus grosses agences immobilières. Sa maman lui a offert cette société. Il est de la pire espèce, ce type. J'ai l'impression que vous ne l'aimez pas beaucoup. Non. Il est arrogant et il a échappé à une inculpation de meurtre. Parce que sa mère a des relations. Pognon et privilège, les deux mamelles des gosses tarés. Il y a un siècle de cela, il aurait chevauché fièrement sur une belle monture, se régalant du spectacle de ses esclaves travaillant au champ. Maintenant, il a une bonne grosse limousine. Allez, allez! Il doit dormir à 7 heures de la nuit. Après ce qu'il a fait, impossible, fils, tu ne dors pas. Tu es éveillé et tu peaufines les mensonges que tu vas dire aux flics quand ils te retrouveront. Et s'il ne veut pas répondre, on peut rien faire de plus, chef. Tu crois ça? Police de Denton. Je vous appelle d'une cabine téléphonique de Highley House et... Désolé, monsieur. Mais je ne... Je dis que j'appelle d'une cabine située dans le nouveau quartier résidentiel de Highley House, dans Beach Road. Il y a quelqu'un au quatrième étage. Au quatrième étage, sur le balcon, il y a un cambrioleur. Puis-je voir votre nom, monsieur? Hein? Non. Centrale appelle l'inspecteur Frost. Répondez. Frost? Ici Lambert, monsieur. Un appel anonyme pour signaler une tentative de cambriolage à Halley House. Vous êtes dans le quartier? Oui, on n'est pas très loin.
Il ne va pas aimer ça. Il est peut-être évanoui dans sa baignoire. Il est peut-être sorti. Oui, c'est possible aussi. Ça fait partie de mon boulot de le protéger. Sa mère est membre du Parlement. Et alors? Elle vient ici assez souvent. Une vraie lady en plus. Elle me donne de gros pourboires. Comment quelqu'un a pu arriver sur le balcon par l'extérieur? Oh, avec ces cambrioleurs, il n'y a rien d'étonnant, c'est de vrais acrobates. C'est bon, vous pouvez nous laisser ici, merci. Ah non, pas question non, que non, je vous laisse... Non, non, c'est mieux pour vous. Il est peut-être armé, et je ne veux pas vous faire courir le moindre risque, moi, c'est mon travail. Oui, c'est vrai. Merci, monsieur. Par contre, si vous entendez tirer, faites le 999. Vous avez entendu ces plaintes? Allons voir ce que c'est. Monsieur Massier? Monsieur Massier? Il n'est pas là. Partons. Patience, fils. Patience. Allons, chef, il faut partir. On ne devrait pas être là. Non, on ne devrait pas. Mais Monsieur Massier devrait, lui. Si on tient compte de sa déclaration de vol, il venait juste de se coucher quand il s'est aperçu qu'il avait oublié sa mallette dans la voiture. Mais quand il est arrivé en bas, surprise, surprise, sa voiture avait disparu. Alors, pourquoi il n'est pas ici en train de pleurer de rage, hein? Oh, regarde, voilà le lascar. C'est lui avec sa maman. Si tu regardes de plus près, tu peux voir le cordon ombilical. Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne sais pas. Tout et rien. Une chose ou l'autre. N'importe quoi qui prouverait qu'il ment. Car il ment. Et spécialement en ce qui concerne la voiture. Il doit en avoir deux comme ça. Ça pour vous ce matin. Rien d'autre? Non, juste Monsieur Newman. Vous avez rendez-vous avec lui au Town Hall. Apportez-moi un café, s'il vous plaît. Oh, et Sophie, fermez la porte en sortant. Vous serez gentil. Oui? J'ai Monsieur Langford en ligne, le patron du Denton News. Passez-le-moi. Bonjour, Monsieur Messi. Sandy Langford du Denton Evening News. Je suis en relation avec votre mère actuellement. Oui, je me rappelle, Monsieur Langford. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous pouviez me donner quelques précisions pour cette nuit. Tout ce que je sais, c'est qu'on a volé ma voiture. J'ai cru comprendre que la victime est dans un état grave. La victime? Quelle victime? Le vieil homme qui a été écrasé. La police ne vous a rien dit? Un certain Monsieur Hickman, hélas. Bonjour, Sergent Johnson. Ah, bonjour, chef. Et votre coup? Beaucoup mieux, chef, mais c'est mes reins en ce moment. Je croyais que c'était le coup. Non, chef, ça c'était avant les reins. Voyez-vous, je me rends compte ce matin de l'incroyable tristesse de ces locaux. Hein? Oui, chef. Il faut me changer ça, c'est mauvais pour notre image. Voyez donc si vous trouvez des fleurs ou quelques plantes ou autre chose. Oui, chef. Bonne idée, chef. Oui. Allez.
Je suis un flic, pas un jardinier du dimanche. Oui, tu ne pourrais pas, pas avec tes reins. Frost. C'est Johnny. Oh, salut, Johnny, et ton coup? Tu débarques, c'est les reins, plus le coup. Peu importe. Mallette veut te voir, Jack. Tout de suite. Oh, je crois savoir ce qu'il veut. Quelqu'un lui a parlé de Roger Massier, c'est ça? Mais non, il n'a pas parlé de ça. C'est peut-être à cause des problèmes précédents, tu crois pas? Oh, arrête avec ça. Dis-lui que je suis vraiment désolé, mais il faut que j'aille voir si Tony Keating est toujours dans les parages. Dis-lui toi-même. Peut-être aller au cinéma ce soir. Je travaille. C'est pas ton jour de congé? Ça a changé. Eh ben, j'irai toute seule, voilà. Si j'étais toi, je me fatiguerais pas trop à ranger la maison. J'ai demandé une mutation. On est ici que depuis 6 mois. Pourquoi cette fois? J'aime pas le coin. Je n'aime pas les gens avec qui je travaille. D'accord. Je suis désolé. Je ne voulais pas en arriver là, tu comprends? Qu'est-ce que nous allons faire, Roger? Je m'en occupe. Je te le promets. J'aurais dû le dire. J'aurais vraiment dû le dire. Je sais. Je sais. Alors, brigadier, que savez-vous? Eh bien, chef, si Keating a dormi ici hier soir, sa logeuse ne l'a pas entendu. Mais de toute façon, elle ne l'entend jamais, car il ne rentre que vers 4 ou 5 heures du matin. J'ai jeté un œil dans sa pièce, tout a été retourné. Et elle n'a rien entendu? Probablement quelqu'un qui cherchait le magot. Non, pas que de l'argent, brigadier. Madame Bowman est une femme très rancunière. Il a dérobé ma bourse, il va le payer, mais avant, il va apprendre de quel bois je me chauffe, ce vil manant. Oh, ça me fait penser que ma machine à laver est tombée en panne. C'est vrai, j'aurais dû te prévenir. Mais je t'en prie, je ne veux pas que tu sois impliqué. Mais bien sûr que je suis impliqué, tu es mon fils. Tu crois vraiment que la presse va m'épargner? Mon Dieu, à la veille des élections, exactement comme la dernière fois. Toi et tes maudites voitures. Si ton père était encore là... Mais il n'est pas là, alors... Jure-moi que tu n'as rien à voir là-dedans. Je n'ai rien à voir là-dedans. Que savez-vous au sujet de ce rodéo mécanique? Seulement que Roger Massier est suspecté. Oh, mais c'était pas sûr. Il dit qu'on a volé sa voiture. Il ment. Jim, tout officier de police un peu sérieux ne doit pas tirer de conclusions trop hâtives. Je ne veux pas que ça arrive. Mais si je parviens à monter un dossier sérieux, ça n'arrivera pas. Vous m'avez très bien compris, Jim. Je ne vous le répéterai pas. Je vous ai compris. Mais je suis consterné de voir que vous n'avez pas mis un bon élément sur cette enquête. Oui, en effet, mais je pense que c'est le meilleur choix. Pas vous? Parce qu'ainsi, la rumeur ne pourra pas dire que l'on est soi-disant... influencé par des pressions externes. J'essaie de préserver la réputation de la brigade.
Alors je suis sûr que vous apporterez à l'inspecteur Frost toute l'aide nécessaire. Comme nous le ferons tous ici. Mellette est là? Oui, mais il est avec quelqu'un, je crois. Ah oui? C'est qui? Stella Massier. La petite intrigante. Il a demandé qu'on ne le dérange pas. Oh, mais si. Il n'a rien à voir, et ce n'est pas sa faute si mon fils a été impliqué dans ce dramatique rodéo automobile. Il ne conduisait pas, il n'était pas dans la voiture. Mais vous imaginez déjà les gros titres, n'est-ce pas? Et le fils d'une de nos élus au Parlement bafoue les lois et écrase un honnête citoyen en roulant à tombeau ouvert. Non. Vous savez que je ne veux pas un traitement de faveur. Mais tout ce que je demande, c'est une enquête loyale, monsieur le commissaire. Madame Massier, si votre fils est innocent, alors nous le prouverons. C'est tout ce que je veux, que vous fassiez votre travail sans aucun parti pris et sans aucun préjugé. Vous vouliez me voir, monsieur? Pas maintenant, Frost. Oh, désolé, je ne savais pas. Oh, c'est vous, madame. Je suis ravi de vous revoir. Comment va le monde à Westminster et quel bon vent vous amène chez nous? Madame Massier est ici pour son fils. Ah oui. C'est une situation très embarrassante, inspecteur. Oh, pas pour moi en tout cas, madame. Venons-en directement au fait. J'ose espérer que votre animosité personnelle envers mon fils n'entravera pas votre jugement professionnel. Animosité personnelle? Oh mais si, inspecteur, deux fois par le passé. Deux fois par le passé, votre fils a été inculpé d'homicide volontaire. Et deux fois par le passé, il s'en est tiré sans rien. Désolé, on n'a pas prouvé sa culpabilité. Il n'était pas coupable. Et s'il n'est pas coupable cette fois encore, je serai le premier à lui offrir un sucre d'orge. Comme je vous l'ai déjà dit, madame Massier, j'ai entière confiance en l'inspecteur Frost pour mener à bien cette enquête. Il est innocent, jusqu'à preuve du contraire, inspecteur. Tout à fait, madame. Et jusqu'à preuve de son innocence, il est aussi présumé coupable. Maintenant, excusez-moi, monsieur, je vais essayer de mettre la main sur un témoin en fuite. C'est un des vigiles du club, une personne sans importance. Vous savez que monsieur Massier et son avocat vous attendent en bas, Jack? Non, je ne savais pas, monsieur. Merci beaucoup de me prévenir. Je ne voudrais pas les faire trop attendre. « 23h15, je m'aperçois que j'ai oublié ma serviette en bas dans la voiture. Ah, oh, à oui. 11h20, je descends sur le parking où est garée ma Ford Cosworth immatriculée J956CYE. À ma stupéfaction, ma voiture n'est plus là. »« Oh, le pauvre petit malheureux. »« Je présume qu'elle a été volée, alors j'appelle tout de suite la police. Puis je remonte chez moi et je vais me coucher. »« Hop, allez, vas-y, continue. »« Je n'ai eu connaissance de cette histoire que lorsque le reporter m'a téléphoné au début de la matinée. J'étais complètement bouleversé et j'ai aussitôt contacté mon avocat. » Je viens en personne à la police pour les aider autant que faire se peut. Oh, il a du style. C'est pas du style, ça? Allez, viens. Bon, ça suffit. J'ai assez attendu. Cette fois, je m'en vais. Votre mère souhaite que vous attendiez. Désolé de vous avoir fait attendre, gentlemen, mais priorité au plus urgent. Je crois que vous avez des choses à nous dire, monsieur Massier. Je suppose que vous avez lu la déposition que mon client a faite spontanément. Oui, je l'ai. Et le style est très bon, je l'admets. Oh, avant de commencer, j'ai une bonne nouvelle pour vous, monsieur Massier. On a retrouvé la voiture. Oui, elle était garée dans une impasse près du centre-ville. Pas trop abîmée, non, rassurez-vous. Un lavage pour enlever le sang et la cervelle et elle sera comme neuve. Naturellement, nous sommes contents que vous ayez retrouvé ce véhicule, mais à part ce vol, ce qui choque le plus mon client, c'est qu'il est servi pour ce dramatique rodéo. Voler. Oh oui, j'avais oublié ce détail. Bon, cette fois, c'en est trop. J'ai beaucoup mieux à faire que de rester assis à écouter un petit fonctionnaire de police qui se croit intelligent et qui fait de l'humour à bon marché. Nul doute que M. Ekman, lui, préférerait être assis ici plutôt qu'à l'hôpital, avec des tuyaux sortant de tous les orifices. Certains d'entre nous n'ont pas le choix, hein, monsieur Massier? Ah, oui. Ça suffit. J'ai fait ma déposition et maintenant je m'en vais. Juste une ou deux petites mises au point avant de partir, monsieur Massier. Ça ne sera pas long. Asseyez-vous. Merci. Il y a un parking souterrain dans cet immeuble, avec un accès contrôlé électroniquement. Dites-moi pourquoi votre client ne l'utilise pas. Non, laissez. Je l'utilise, mais pas toujours, ça dépend. Et de quoi, monsieur?
de comment je me sens. Satisfait? Quand on a retrouvé votre voiture, l'attaché Case n'y était plus. Vous avez déclaré être descendu pour récupérer votre mallette. Avant que M. Massy réponde à d'autres questions... Je vous ai dit que ça allait. Je présume qu'elle a été subtilisée par le voleur. Oh, bien sûr. Une mallette pleine de papiers administratifs, c'est très facilement revendable. Ça me fait penser combien d'attachés Case vous avez en tout, M. Massy? Un seul? Qu'est-ce que vous croyez? Oh, rien, rien. C'est le genre de cadeau qu'on offre à Noël. Bon, ce sera tout, messieurs. Encore une petite chose, monsieur Massier. J'ai noté dans votre déposition, je vous cite donc, « Après avoir averti la police du vol de ma voiture, je suis remonté à mon appartement et je me suis couché. » C'est vrai. Dites-lui, inspecteur. Vous n'êtes peut-être pas au courant, monsieur. Mais très tôt dans la matinée, nous avons reçu un coup de téléphone anonyme. Le correspondant prétendait qu'il y avait un homme sur un balcon qui essayait de pénétrer dans un appartement. Et c'était votre adresse. Non, je n'étais pas au courant. Mais en quoi cela me concerne? Parce que lorsque nous sommes intervenus pour cet incident, nous avons inspecté tous les logements de l'étage, mais n'ayant pas de réponse de votre part, et surtout pour votre sécurité, avec le passe-partout du concierge, nous sommes entrés chez vous. Heureusement, il n'y avait aucun signe d'intrusion. Mais aucun signe de vous non plus. Et votre lit n'était pas défait. Si je comprends bien, vous avez outrepassé vos droits en pénétrant chez moi sans mandat. Vous avez exposé les circonstances, monsieur, et je suis sûr que vous seriez le premier à vous plaindre si un petit fonctionnaire comme moi n'avait pas fait son travail. Vous êtes pourri, un sale petit flic pourri. Pour l'instant, je n'ai rien à ajouter, inspecteur, mais j'aimerais m'entretenir en privé avec mon client, car je pense que je n'ai pas noté tous les éléments. Je n'ai rien nous n'avons à vous dire que rien de plus. À vous dire avant d'avoir reconsidéré notre position. Alors, je vous laisse reconsidérer votre position. Ah oui, je crois qu'il vaut mieux que vous le sachiez. Et comme ça, ça vous permettra de m'insulter en une seule fois. Nous avons un témoin qui a vu votre client partir au volant de sa voiture hier soir. Je vous envoie une tasse de thé et quelques aspirines, d'accord? Un témoin? Mais quel témoin? Oh, mais pourquoi serait-il le seul à pouvoir raconter des mensonges? Écoutez, je n'aime pas ces méthodes, je préfère travailler sur le droit. Oh, ça suffit, toi, monsieur le moraliste. Si tu n'aimes pas mes méthodes, tu montes là-haut pour te plaindre. Lui, au moins, sera content de t'entendre. Et puis tu gardes tes réflexions pour toi, ok? Ça me tape sur les nerfs. Attends, il faut que j'y aille, là. Je sais pas, je sais vraiment pas. Écoute, je te rappelle plus tard, ok? Coucou. Oh, tu es là alors. Tu as enfin pris ton congé? Je devais. Ça a changé, ils m'ont appelé. Et tu vas encore travailler cette nuit? Ça dépend, mais normalement, oui. Oh, David. Oui, je sais, mais pense un peu aux heures sup. Mais tu en fais tellement des heures supplémentaires. On en a besoin, tu sais bien. Hein? Petit bonhomme, on en a besoin. Tu pars tout de suite? Ouais. Je vais te préparer un sandwich. Non, pas la peine, je prendrai un truc à la cantine. Vous connaissez la dernière? Melette veut des vases de fleurs à la réception. Un homme qui aime les fleurs ne peut pas être mauvais. Jack, au sujet de ce Roger Massy, tu t'en sors? Oh, ça va, Jim, ça va. Je travaille avec des gants de velours, parole de scout. Oui, mais protège tes arrières. Oh, merci. On y va, George? Ah, au fait, j'y pense, Tommy Keating. Vois si tu peux savoir où il se cache, d'accord? Des précisions, chef? Oui, oui, si c'était moi, je commencerais à Greenland et je remonterais. Oui. Comment vont les amours? Un de ces jours, tu vas prendre une paire de gifles. Excuse-moi, je plaisantais. Bon, je m'en vais. Je vais acheter des pièces pour ma voiture. Tu peux prendre une commande pour moi? C'est au nom de Charland. C'est déjà payé. Certainement, Serge. Qu'est-ce que tu penses de Webster? Qu'il n'a pas l'air très heureux. Malheureusement, il est même morose, hein? Je crois qu'il a demandé sa mutation. Quoi déjà? Il est ici depuis 5 minutes.
Les problèmes familiaux, c'est ça? Je suppose. Oh. Oh, oui. Comment vont les affaires? Monsieur Massier n'était pas à son appartement l'autre nuit. Il a passé la nuit ailleurs. Et vous pouvez nous dire où, monsieur Massier? J'étais avec une fille. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? Parce que c'est difficile pour moi, ma mère, elle n'apprécierait pas. Oh, votre chère mère n'apprécierait pas. Parfait. Écoutez, j'essaie de vous dire la vérité, d'accord? Vous êtes resté combien de temps chez elle? De 18h30 environ avant-hier, jusqu'à un peu plus de 8h ce matin. La voiture a été volée devant son domicile. Je ne voulais pas que ma mère le sache, alors j'ai paniqué et j'ai menti. Je ne savais pas que la voiture était impliquée dans un homicide quand j'ai averti la police. Non, bien sûr que non. Mon client a passé toute la nuit chez cette jeune femme. Il n'en est pas sorti. Et elle peut bien sûr corroborer ses dires. Nous préférerions qu'elle ne soit pas impliquée, mais si nécessaire, oui, bien sûr. Tu sais pour ce que je t'ai dit, fiston. Je t'ai énervé, alors excuse-moi. C'est rien, chef. J'ai entendu dire que tu as des problèmes. Alors, si je peux faire quelque chose, dis-le. On intervient maintenant? Non. On attend qu'elle entre. J'ai envie d'une tasse de thé. Qui vous a dit que j'avais des problèmes? Oh, voyons, fils, je vois que tu es malheureux, sinon pourquoi demander ta mutation? Qui vous a parlé de cette mutation? Je l'ai entendu, c'est... C'est supposé être confidentiel. Oui, mais tu sais ce que c'est que les flics, ça veut toujours tout savoir sur... Mais c'est personnel, ça. C'est mes affaires et ça me regarde. D'accord? D'accord, fils. Comme tu veux. Je ne dirai plus rien. La nuit d'hier, c'était mon jour de congé. Nous avons passé la nuit ici. Toute la nuit? Toute la nuit. Il est arrivé à quelle heure? À 6h30. Et il est reparti ce matin vers... 9h15. Mais quand il est arrivé en bas, il n'y avait plus de voiture. Oh, ça a dû le mettre en colère. Sa voiture, c'était son plaisir et sa fierté. C'est vrai, il n'était pas content. C'est pas grave. L'important, c'est où il a passé la nuit, pas vrai? Sa mère ne vous aime pas beaucoup. Pourquoi, d'après vous? Je n'en ai aucune idée. Peut-être est-ce la couleur de mes yeux. À présent, vous m'excuserez, mais je dois me préparer pour aller travailler. Et qu'est-ce que vous faites, Miss King? Je suis croupier au Sherwood Club. Tiens, tiens. Elle s'est fait dévaliser hier, Madame Bowman. Ah bon? Voilà une bonne nouvelle. Alors, vous partez ou quoi? Vous pouvez y aller. Je reste ici. Et je réfléchis. Faites comme vous voudrez. Depuis quand le connaissez-vous, monsieur Massier? Depuis un an. Je l'ai rencontré au club. Donc c'est un joueur. Il est membre du club, c'est tout. Voyez-vous, je suis surpris quand vous me dites qu'il est resté toute la nuit ici. Tel que je le connais, le jeune Roger, il ne tient pas en place 5 minutes. Il aime sortir la nuit, il aime... les restaurants chics et chers, les boîtes de nuit, il aime écraser les pauvres vieux avec sa grosse voiture. Il aime aussi acheter des jeunes filles naïves pour lui fournir un alibi. Je vous trouve incroyablement indécent. Oh non. Vous vous trompez de cible, Miss King. Car moi, je trouve qu'un jeune snob qui tue un vieil homme innocent, c'est beaucoup plus indécent. Qui tue? Pourquoi vous dites tuer? Vous ne savez pas? Il est mort.
Et surtout, ne me dites pas que votre ami ne vous a pas mis au courant de tout ça afin de vous faire faire un faux témoignage. Oh, mais peut-être que vous étiez dans la voiture, vous aussi. Étiez-vous avec lui? C'est vrai. L'homme est mort en début d'après-midi. Et dites-moi encore, Miss King. Lui, il aurait menti pour vous? Il est arrivé hier en début de soirée et il est resté avec moi jusqu'à 8 heures ce matin. Et maintenant, laissez-moi tranquille. Vous vouliez me voir, chef? Oui. Je voudrais que vous me disiez exactement où vous avez trouvé cette plaque. C'est par ici, chef. Bon, d'accord. Et ces deux bouts étaient ensemble ou quoi? Non, ce bout-là était par ici. Oui. Et celui-là, il était par là. Ils ont dû tomber quand la voiture a heurté les poubelles. Êtes-vous sûr que ces plaques venaient de cette voiture? Non, ce serait beaucoup trop facile. Vous vous êtes renseigné pour les vis? Oui, chef, mais rien. Ah, rien. Merci beaucoup, Shelby. Merci. Hé, arrêtez-le! Arrêtez-le! Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Je voudrais parler à ce jeune policier. C'est le seul qui soit entré. Mais entrez où, madame? Chez moi! L'autre nuit, après l'accident. C'est le seul qui ait pu les prendre. Et il a pris quoi, madame? Mes bijoux, pardi. Je les ai cherchés toute la journée. Ils étaient cachés ici, dans ma petite boîte. Je les range toujours dans ma petite boîte. Vous dites que ce policier est entré chez vous pour téléphoner? Oui, il se tenait là, juste à côté de la commode. Oh, mais attendez un peu, s'il a pris quelque chose, vous auriez dû le voir. Mais je n'étais pas là, voyez-vous. Il m'a demandé d'attendre dehors. Il vous a demandé de quitter la pièce juste pour passer un coup de téléphone? Oui, il a dit que c'était confidentiel. Bon, je vous explique ce que je vais faire pour vous, Madame Lee. Je vais vous envoyer quelqu'un qui va enregistrer vos dires pour vous permettre de déposer une plainte officielle. Et vous êtes sûr que ce policier est le seul à être entré ici? Oh oui, c'est sûr, plus que sûr. Qu'est-ce que t'en penses? Ce ne serait pas le premier flic à être kleptomane. Non, je ne le crois pas. C'est un mauvais flic parce qu'il est paresseux, mais je ne le vois pas détrousser les vieilles dames. Et d'un autre côté... D'un autre côté, quoi? Eh bien, hier soir, quand j'ai voulu lui parler, il était au vestiaire, il a refermé sa porte très vite, comme s'il ne voulait pas que je voie à l'intérieur. Et alors? Non, il n'a pas fait ça. Peut-être qu'on pourrait aller fouiller son casier, non? Oh, d'accord. Prends mes clés, alors. Il y en a une pour chaque occasion et chaque serrure. Ah, mais ça ne se fait pas de fouiller sans autorisation. Tu n'as pas le droit. Tu renies tes grands principes. Je n'aime pas qu'on s'accapare le bien d'autrui, qu'on soit flic ou pas flic, d'ailleurs. Oui, mais ce n'est plus de notre ressort. C'est celui de la police des polices. En attendant, ne t'occupe plus de ça, d'accord? D'accord. Oui, chef. D'accord. Non, Jim, cette plaque d'immatriculation était délibérément cassée en deux et déposée sur le lieu de l'accident pour que ces flicaillons les retrouvent. Oh, Cathy. Merci, monsieur. Oui, mais pourquoi il aurait fait ça? Je veux dire, dans quel but? Aucun. Hein? Si Massier conduisait, aucun. Mais supposons que quelqu'un ait emprunté sa voiture, tu me suis, intentionnellement, pour qu'il ait des problèmes. Oui, mais qui? Alors, suis-moi bien. La fille a dit... qu'il allait souvent jouer chez Phyllis Bowman. Alors supposons, juste une supposition, qu'il ait perdu un très gros paquet de fric et qu'il ne peut pas payer. Eh bien, elle essaie de mettre la pression sur le jeune Roger Massier et envoie un de ses cow-boys emprunter sa voiture. Il fait le cirque dans toute la ville pour qu'il ait des problèmes et balance la plaque minéralogique par la portière, de façon à ce qu'on sache qui rechercher, bien sûr. Une sorte d'avertissement au cas où il ne paierait pas. Mais, tout ça tourne mal parce que le cow-boy renverse ce vieil homme. Il panique, il prend la fuite et abandonne la voiture qu'on a retrouvée près du casino, souviens-toi. Oui, c'est vraiment une triste fin, Jack, mais
J'admets que c'est possible. Oui, bien sûr, le seul problème, si ma théorie est correcte, c'est que le petit Massier est innocent, ce qui prouverait qu'il n'y a pas de justice. Mais Mulette sera ravie. Oh, ça, c'est le pire. Je vais au pub du coin boire une bière. Qu'est-ce que tu veux? Juste quelques jours, d'accord? Tu as des problèmes? C'est juste pour quelques jours, ok? Encore une voiture à maquiller, c'est ça? Tu n'es qu'une source de problèmes, ne reste pas ici! Je veux plus d'ennuis! Scotland Yard nous informe que l'homme est armé et dangereux. Il s'agit de Ronald Arthur Eustace. Voilà. Il habite ici à Denton depuis environ une huitaine d'années et certains d'entre vous ont déjà eu affaire à lui. Je pense à toi, Jack. C'est vrai. Cet après-midi, il a été impliqué avec deux complices dans le braquage d'une grosse banque de Londres, au cours duquel, hélas, un agent de sécurité a été tué. Ils ont réussi à s'enfuir et, comme je l'ai dit, Eustace va sûrement se réfugier dans notre région. Bon. Il est armé d'un fusil à pompe à canon scié, et l'on pense qu'il a volé un véhicule Renault 5 rouge, numéro d'immatriculation, notez-le, E391PNW. Mais attention, car ils se sont traqués maintenant. J'ai demandé l'autorisation à notre commissaire de faire distribuer des revolvers à tous les officiers qui ont un permis. Il y en a ici. Dès que la mission sera terminée, ils retourneront à l'armurerie. Et enregistrez bien ça, chacun de vous. Si vous le localisez, il doit être approché avec prudence. Dans ce cas, je veux que vous préveniez immédiatement le central. Et ce que je ne veux pas, c'est que vous jouiez les héros. D'accord? C'est compris? Bien sûr. Alors c'est tout. Ronnie Eustace, hein, Jim? Ça alors, il a pris du galon, le demi-sel. La dernière fois que je l'ai coincé, il avait braqué une confiserie. Je vois qu'il a abandonné les douceurs. Excusez-moi, monsieur. Oui? Désolé de vous déranger, mais nous avons monsieur Gordon du tribunal au téléphone. Il a l'air très en colère. Il attendait vos statistiques sur les crimes et vous avez bloqué tout le système informatique du tribunal. Ah oui, vraiment? C'est fou. Où est-ce que tu étais, bon sang? Écoute, je sais que t'es énervé. T'as le droit d'être énervé, mais j'avais des choses à faire. Et tu sais qu'il est mort? Tu le sais? Tu sais que le vieil homme est mort? Tu te rends compte de ce qu'on a fait? Miss King, je suis Stella Massier. Venez vous asseoir, je vous en prie. Et voilà. Merci, sergent. Inspecteur Webster. Veuillez ici, s'il vous plaît.
Alors, Leslie, je vois que toi et Tommy Keating, vous avez le même décorateur. Elle n'aurait pas dû faire ça. Pourquoi a-t-elle fait ça? D'une façon ou d'une autre, elle pense que vous avez terni sa réputation. J'ai l'habitude de me battre, Jacques. Oui, mais... pas de cette façon. Dis-moi franchement, Leslie, tu es sûr que tu n'as rien à me dire sur le gars qui t'a attaqué? Je te l'ai dit, ça s'est passé oui, si vite. Oui, mais réfléchis bien, Leslie. Son visage, par exemple. Tu as dû remarquer un détail, non? Il faisait trop sombre. Il avait éteint la lumière dans le couloir et... Oui. Ses yeux. Oui, maintenant je revois ses yeux. Bon, ses yeux, oui. Alors il en avait un bleu, un marron ou quoi? Non, ce n'est pas leur couleur. Je me rappelle de ses yeux parce que le reste de son visage était caché. Ah oui, oui, il portait un chapeau qu'on enfile. Et un foulard porté comme un masque. Et puis des gants, oui, ça j'en suis sûr, des gants. Oui, et une montre. Une montre? Oui, une montre. Oui, bon, une montre qui faisait tic-tac et après? Non. Quand il m'a jeté ce truc au visage, j'ai voulu me protéger par instinct et je l'ai saisi au poignet, le gauche. C'est là que j'ai senti qu'il avait une de ces grosses montres avec un bracelet métallique. Oui, nous nous sommes battus un peu et le bracelet s'est cassé. J'en suis sûr. Je l'ai entendu jurer. Après, il m'a aspergé et... Oui, ça m'aide beaucoup. Je dois retrouver un suspect avec deux yeux, un chapeau en laine, un foulard, des gants et une montre cassée. Bravo, ils sont 5000 dans ce cas. Tu veux que je fasse quelque chose pour ça? Pas la peine. Allô, ici Shelby. Je viens d'inspecter la bâtisse Manson. Vous m'entendez? Ici Shelby. C'est pas vrai. Ici Shelby, est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Oui. Mettez-moi tout sur le tour de France. Oui, oui, ça va. On parle des sondages. On a un tour là-dessus. Le 29. Bonsoir, Phyllis. Alors, vous avez retrouvé mon argent? Non, non, pas encore. Peu importe, vous recommencez avec vos vieilles méthodes, défoncer les portes, briser le mobilier. Vous m'aviez promis, rappelez-vous. Merci. Je suis sûre que vous êtes trop pressé pour prendre un verre. Est-ce que vous connaissez Roger Massier? Pourquoi? Répondez juste par oui ou par non, Philly, c'est important. Oh, bien sûr, je le connais. C'est un de mes réguliers et il sort avec une de mes filles. Il a de la chance? C'est un parieur. Il gagne un peu, il perd beaucoup. Oh, alors c'est un bon client pour votre boîte, hein? Oui, quand il gagne. Et quand il perd? Il faut le secouer un peu. Oh. Et vous l'avez fait récemment? Eh bien oui, c'est arrivé. J'ai eu l'occasion de lui envoyer l'un de mes recouvreurs de créances pour le rappeler à ses obligations. Et?
Monsieur Massier s'est excusé pour cette regrettable omission et il m'a immédiatement fait un chèque pour régler sa dette. C'était quand? Attendez, on est mardi. Donc c'était vendredi. Ça fait 5 jours. Donc, s'il a réglé à Phyllis ce qu'il lui devait, il y a 5 jours, elle n'avait aucune raison de lui faire peur. Eh oui, mais c'est vrai, j'avais tort. Il reste cette maudite plaque minéralogique, Jim, et je n'y crois pas du tout. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire pour son braquage? Eh bien, je continue mon enquête, j'étudie toutes les éventualités. La mère de Tommy Keating était bien à l'hôpital, c'est quelqu'un de la boîte. Mais tu ne crois pas que c'est un coup monté par les gardes? Non, je ne les vois pas faire ça. Tu penses que s'ils avaient fait le coup, ils l'auraient fait un soir où il y avait beaucoup plus d'argent dans la caisse? Écoutez, c'est peut-être rien, mais Shelby a disparu. De quoi? Comment ça a disparu? Mais il devait être revenu depuis plus d'une heure. Il avait un petit secteur, mais il n'est pas encore là. Appelle-le sur sa radio. Il ne répond pas, et d'après Lambert au central, il n'a plus aucun contact ces 2 dernières heures. On ne perd pas une voiture de police et un flic. Et peut-être, mais moi je suis inquiet. Imaginez qu'il tombe sur ce maniaque et son riot gun, eh bien il pourrait avoir des problèmes. Ferait pas une chose pareille sans appeler des renforts? Je ne sais pas, Jack, mais la plupart de ces jeunes flics sont prêts à faire n'importe quoi. C'est vrai. Tu leur diras de ma part que c'est un métier dangereux. Par contre, sa radio est restée coupée pendant presque toute la semaine. J'ai pensé qu'il faisait ça pour blaguer et je ne me suis pas inquiété avant. Mais si elle est restée coupée et qu'il est tombé sur ce malade... Est-ce que tu as essayé chez lui? Peut-être qu'il y est. Non, pas encore, j'attendais ici. Appelle Madame Shelby, de toute façon. Oh, et du tact surtout, il ne faut pas qu'elle s'inquiète inutilement. En attendant, on va prendre les devants. Vaut mieux annuler tous les congés et tenir les hommes en alerte. Nous allons faire des recherches à grande échelle. J'espère que je me trompe. Qui va apprendre la nouvelle à Melette? Centrale Alpha Bravo 3, donnez votre position, s'il vous plaît. Allons, Shelby. Si vous m'entendez, répondez. Shelby, où êtes-vous? Bonjour, Jack. Alors? Alors, il y a des traces de sang de ce côté. On dirait qu'il s'est fait tirer dessus. En se dirigeant à pied vers cette voiture. Mais aucune trace de Shelby? Bon, je vais retourner au bureau, organiser les choses. Je te laisse la suite. D'accord, Jack? Monsieur? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je peux jeter un œil à l'intérieur? Vous avez pris des photos de l'intérieur? Nous allons les faire tout de suite. Oui, alors allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mais bon sang, où est-ce que tu étais? J'étais chez moi, vous savez, je dois... J'ai appelé ta femme, tu n'y étais pas. Femme? Pourquoi tu ne comprends rien de ce que je te dis? J'ai appelé et elle a dit que tu n'étais pas là. C'est vrai, j'étais reparti pour le commissariat. Chef! Quoi? On l'a retrouvé. Merci, ça va, fiston. On va prendre une tasse de thé. Comment il est arrivé jusqu'ici? Il a dû ramper pour trouver de l'aide. Et il a dévalé le talus. Avec la moitié de la tête arrachée, il aurait rampé 200 mètres. Possible, je suppose. L'instinct de survie transforme les hommes en Superman. À ce qu'on dit. Par ici! Ils ont trouvé quelque chose. Mais ce qu'ils ont trouvé ne m'intéresse pas.
Il n'y a pas de traces de sang dans la voiture. La vitre arrière a carrément explosé. On a retrouvé des centaines de plombs un peu partout, mais pas de traces de sang. Probablement qu'il était déjà sorti de la voiture. Pourquoi tirer alors? Peut-être... peut-être pour le dissuader de tenter quelque chose. Et il le tue malgré tout. C'est pas très fair-play, reconnais-le. Alors? Alors, impossible d'être précis dans ces conditions, mais je crois que la mort se situe entre 3 et 4 heures. Ah oui, encore une chose que l'autopsie confirmera. Je suis presque sûr qu'il était mort avant d'être jeté ici. Mais il n'aurait pas survécu longtemps avec de telles blessures, de toute façon. On peut le transporter? Ah, si tu veux, oui. Le médecin légiste ne peut pas faire grand-chose ici. Bon, Jack, je t'envoie mon rapport dès que possible. D'accord, merci. Allez, les gars, s'il vous plaît, sortez-le de là. Qu'est-ce que t'attends? Allez, sors-le de là! Quelqu'un doit aller prévenir sa femme. Je vais le faire. Avec tout le respect, monsieur, je crois qu'elle est enceinte. Si elle voit le commissaire divisionnaire frapper à sa porte, elle peut... Enfin, vous comprenez. Oui. Vous avez raison. Je l'ai rencontré plusieurs fois et je pense qu'il vaut mieux que je... Mais... Merci. Tu l'as rencontré. Dis, tu veux le faire? Ça fait longtemps que tu es là. Pourquoi tu ne viens pas te coucher? Un de mes collègues s'est fait tirer dessus cette nuit. Mon Dieu. Il est mort? Il s'appelait Shelby. Tu l'as déjà vu, je crois. À un bal de la police. Je m'en souviens. Tu as même dansé avec lui. Dave Shelby. Un homme à femme, d'après ce qu'on dit. Je ne vous ai même pas offert une tasse de thé. Ah oui, je vais vous faire une tasse de thé, inspecteur. Non, non, laissez, ça va. Mais pensez plutôt à vous. Vous voulez quelque chose? Non, non. Je ne veux rien, merci. Viens dans les bras de maman. Viens, mon chéri. Il aimait son travail, vous savez. C'est pour ça qu'il faisait des heures supplémentaires. Il disait que c'était pour l'argent, mais je savais que ce n'était pas que pour ça. C'était son travail. Mais vous devez le savoir mieux que personne. Vous, inspecteur. Ils sont tous comme ça, n'est-ce pas? C'était un brave homme, vous savez. Je sais que tout le monde dit cela, mais... je n'aurais pas espéré meilleur mari. Et père aussi. Il m'achetait des fleurs toutes les semaines, vous savez, et même après notre mariage, un gros et beau bouquet de fleurs chaque samedi. Jamais il n'a oublié.
J'avais le pressentiment qu'il lui arriverait quelque chose. Je sais, c'est votre travail. Et d'ailleurs, nous en parlions souvent, tous les deux. Et il disait que si quelque chose arrivait, ce serait à moi de prévenir ses parents. Ça leur brisera le cœur. Oh, oh mon Dieu! Oh, oh mon Dieu, mon Dieu! Salut Jack, comment elle le prend? Non, pas maintenant, Sandy. Comment elle a pris ça, hein? Écoute, je viens juste de lui apprendre que son mari a été tué cette nuit. Ce n'est pas le moment de la perturber avec tes questions. Oh, arrête, Jack, je viens faire mon métier, t'as pas... Tu la laisses tranquille, d'accord? Tu la laisses tranquille. David Shelby était un jeune officier, un jeune époux et un père, avec une prometteuse carrière devant lui. Il était des nôtres. Je peux vous assurer que celui qui l'a assassiné sera pris et puni. C'est tout. Merci. C'est dans une cellule avec la télévision. C'est vraiment pas cher payé. Tu as raison. Je me demande si elle savait quel genre de type il était en réalité. Tout à l'heure, j'écoutais dire quel merveilleux époux et père il faisait, et je pensais, la pauvre femme, si seulement elle savait. Mais peut-être qu'elle savait. Mais peut-être bien qu'il était bon mari et bon père. L'un n'empêche pas l'autre, croyez-moi. Mener une double vie, un peu comme Jekyll et Hyde, sans les complications. Oui, vous avez raison. Ce que les yeux ne voient pas, etc., etc. Beaucoup d'hommes mariés, je sais, font la même chose. Vous avez l'air un peu déçu, auxiliaire. Non, simplement réaliste. Il a essayé avec moi une fois. Seulement moi, je savais qu'il avait déjà essayé avec toutes les filles du service. Il n'était pas le seul à nous draguer. Et très souvent, c'est assez flatteur, mais avec Shelby, je ne sais pas. Il y avait quelque chose de vraiment désagréable, vous comprenez? Qu'entendez-vous par désagréable? J'ai fait pas mal de rondes de nuit avec lui, en voiture. Et bien sûr, il a commencé à me draguer, mais je l'ai rembarré. Et là, il est devenu grossier. Il m'a dit des horreurs. Il m'a demandé si je voulais voir quelques-unes de ses photos, disons, un peu spéciales. Des photos qu'il avait prises avec des copines avant, pendant et après, vous savez quoi. C'était son passe-temps, apparemment. Et puis, il est devenu hargneux. Alors, je me suis sentie mal à l'aise, et là, j'ai dû lui dire « Écoute, je ne veux plus rien entendre. Un seul mot, et je fais un rapport sur toi, ok? T'es prévenu. » Il a tourné ça en dérision. Il était très fort pour tout transformer en blague. Les grandes tirades pour flatter son ego. Oh, c'était pour blaguer. Pourquoi est-ce que tu t'énerves? On ne peut plus rigoler, alors? Après ça, il n'a plus tenté quoi que ce soit. Juste quelques mots, et des réflexions suggestives. Ce bon vieux Dave, l'homme-femme. Désolée, ne croyez pas que je veuille démolir son image. Pourquoi ne pas terminer le travail? Et dire qu'en plus, ce n'était pas un bon flic. Mais pas un voleur. Vous dites? Que ce n'était pas le genre à subtiliser les bijoux d'une vieille dame. Pas d'après ce que je sais de lui. Un flic paresseux, un pervers, mais pas un voleur. C'est une bien belle épitaphe, n'est-ce pas, Hazel? Il s'était endormi et je n'avais plus de cigarette. Au parking, ma voiture était coincée, alors j'ai pris la sienne. Je ne l'avais jamais conduit et... Et après avoir acheté les cigarettes en ville, j'ai décidé de faire un petit tour.
C'était excitant de conduire un bolide aussi rapide comparé à ma petite voiture. J'étais comme grisée par cette puissance. Mais je ne savais pas que j'avais heurté cet homme. Je vous le jure. Je ne savais pas que j'avais heurté quelqu'un. Je sais que j'ai heurté des poubelles, mais je ne sais pas quoi. Je sais que j'ai pris ce virage trop vite. De retour à l'appartement, j'ai réveillé Roger pour qu'il constate les dégâts. Et c'est là qu'on a vu tout le sang partout. J'étais comme hystérique et Roger a dit qu'on allait déclarer la voiture volée. C'était mieux. Donc, nous sommes remontés téléphoner à la police. À ce moment-là, je ne savais pas que j'avais heurté quelqu'un. Sinon, je me serais arrêtée. Je n'avais même pas bu. Pas une goutte. Je n'avais rien bu de la soirée. Vous avez fini ? Il est 11h26, c'est la fin de cette déposition. Si vous voulez confirmer vos aveux par écrit à ma collaboratrice, je pourrai les comparer à ceux de Monsieur Massier. En attendant, vous devrez attendre ici, j'en ai peur. En cellule. Merci. Tu vas être fière d'apprendre, ma chérie, que je suis innocent. Si ce petit flic minable téléphone, dis-lui que j'ai dû sortir de toute urgence pour affaire et tu le fais attendre. Avoue que tu adores rabaisser les gens. Allez, avoue, mon petit Roger. Certains, oui, certains. Si quelqu'un d'autre me demande, je serai ici et là et puis direction un très bon restaurant. Je croyais qu'on déjeunait ensemble, non? Ah oui, alors demain, sans faute, demain midi. Et classe ça pour moi, tu veux? Tu es un ange. Oui, oui. Pourquoi il n'a pas utilisé sa radio? Qu'il n'a pas quoi? Quand il est arrivé à la bâtisse Manson et qu'il a repéré le véhicule suspect, pourquoi il n'a pas utilisé sa radio? Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien, ne fais pas attention, c'est des idées en l'air. Il est sorti de sa voiture et il s'est fait descendre. Il n'a pas pu utiliser sa radio. Oui, mais s'il est sorti de la voiture, le corps aurait dû se trouver là, où il y avait du sang, mais pas de projectile. Au revoir, monsieur. Merci. Chef! Il a pu être assommé... battu et traîné là. Chef ? Nous en saurons plus après les résultats d'autopsie. Peut-être bien, mais il est arrivé jusqu'ici. Alors ou bien il s'est rendu jusqu'à cet endroit tout seul et sans assistance et son assassin l'a suivi, ou il a été transporté et jeté là. Oui, mais pourquoi ça ? Oh, je ne sais pas. Dissimuler le corps, brouiller les pistes... Jack ! Mulette ! Va savoir ce qui te passe par la tête le jour où tu tues quelqu'un. Oui, une des choses que je peux faire, bien sûr, c'est protéger la veuve de Shelby. Elle nous a déjà autorisé à mettre son téléphone sur table d'écoute. Et j'ai posté un policier à sa porte pour éloigner les curieux, la presse et la télévision. Aucun doute que la presse va encore se plaindre de cet état de fait. Oui, monsieur. Oui, c'est noté, monsieur. Oui, merci, oui, je voulais vous voir. C'est pour vous dire que je suis content que l'affaire Roger Massier se termine bien. Oui, la fille a fait des aveux complets et moi j'attends Roger Massier pour confirmation, enfin s'il veut. Malgré tout, je vois que vous retenez contre lui fausse déclaration concernant un vol de voiture, dissimulation de preuves... Conspiration pour entraver le cours de la justice, faux aveux sous serment et d'autres choses auxquelles je ne pense pas, parce que vous savez, monsieur, et je sais qu'il a payé cette fille, c'est sûr. Et malheureusement, vous ne pouvez pas le prouver. Non. Pas sans un peu de chance. Et j'en manque actuellement. Mais qui sait ? Tu as mes cigares? Je peux faire quelque chose? Oui, tu peux sortir de ma vie. Oh, mais s'il y a quelque chose que tu Tais-toi peux faire, c'est d'aller... La ferme! J'ai trouvé ce matin le corps de l'inspecteur David Shelby. Les soupçons se portent sur un dénommé Eustace, l'un des trois malfaiteurs impliqués dans le hold-up de la banque londonienne, au cours duquel un garde a été tué et un autre grièvement blessé. J'invite donc le public à la prudence. Cet homme est en possession d'un fusil à pompe... T'es un pourri, un assassin! La ferme, tais-toi! Je veux que tu partes d'ici, et vite! Ce n'est pas la peine d'attendre, il ne reviendra pas avant Dieu seul sait quand. Oui, bonjour. Non, il n'est pas là. Oui,
Merci. Vous avez l'air énervé. Oui, autant vous le dire, je suis furieuse contre lui. Furieuse! Au fait, j'ai entendu parler de ce jeune policier. Je suis désolée. Oui, merci. C'est pas gai. Vous voudrez bien dire à Monsieur Massier que plus il me fera attendre et plus sa petite copine attendra en prison. Ce n'est pas très élégant, je sais, mais j'ai passé une nuit blanche et je suis de mauvais poil. Vous auriez dû m'interroger. Je savais qu'il ne conduisait pas sa voiture parce que je l'ai vu. Vous l'avez vu où? Au Sherwood Club. Pas dedans, mais à l'extérieur, assis dans sa voiture. Quelle voiture? Celle de cette fille. Vous voulez dire Miss King? Miss King, la favorite du mois, qui croyez-vous, hein? Qu'entendez-vous par « je l'ai vue »? J'étais là, avec un ami. Un autre paumé comme Roger. On s'est disputé et on est parti tôt. Et c'est en sortant que j'ai aperçu Roger assis dans sa voiture. Il attendait qu'elle termine son travail, je suppose. Elle ne travaillait pas cette nuit-là? Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas pu écraser ce vieil homme parce qu'il était sur le parking. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Parce que je voulais voir comment il se débrouillerait sans mon aide. Êtes-vous sûr que c'était lui? Et pourquoi il attendait dans la voiture plutôt qu'à l'intérieur? Je ne sais pas. Probablement parce qu'il devait de l'argent à cette Bowman, j'imagine. 3000 livres, il faut être complètement marteau. J'ai entendu dire qu'il l'avait remboursé. Il lui a donné un chèque, si c'est ce que vous voulez savoir. Et il était en bois, c'est ça? Oui, et s'il ne l'était pas, ce serait un miracle. Il n'y avait plus un sou sur le compte. Je le sais, c'est moi qui fais la comptabilité, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il fait un chèque vendredi soir de 30 000 livres. La banque n'est pas débitée avant mardi matin à cause du week-end. Et il n'est pas sans provision. Allô? Non. Non, non, plutôt mardi. Oui. Oui, d'accord. Non. Je suis désolée, mais je n'en sais pas plus. Oui. Merci. D'accord. Parfait. Au revoir. Vous savez ce que je pense, Miss... Hamilton. Je crois en cette théorie. C'est que chaque mauvais côté des choses est toujours compensé par un bon côté. C'est ce qu'on appelle la pensée positive. Permettez-moi de vous offrir un cheeseburger. Dark. Oh, pardon. Oh, je vois que Melette fait livrer ses fleurs. Tu es un mufle insensible quelquefois, Jack. Oui, mais je préfère ça plutôt que de cirer les pompes du boss. J'aimerais vous raconter une petite histoire, Miss King. Vous m'arrêterez si je me trompe. Voyez-vous, en ce temps-là, il y avait un petit prince parasite qui devait beaucoup d'argent à la vieille sorcière du casino. Mais le prince avait une idée derrière la tête. Ce plan machiavélique consistait à rembourser la vieille sorcière avec son propre argent. Donc, avec l'aide de Lady Julia, qui connaissait bien les lieux, mais qui, hélas, était trop connue des deux gardes Tommy et Lester, il passe à l'action. Mais pour ne pas attirer les soupçons de la vieille sorcière, il lui faut un alibi. Alors, il charge la merveilleuse Lady Julia de sillonner toute la région avec son beau carrosse pour faire beaucoup de bruit et jeter la plaque d'immatriculation par la portière. Comme ça, quand Monsieur Plouc, le policier qui n'est pas très malin, la retrouvera, il sortira son sifflet et accusera automatiquement le prince Roger, qui lui répondra poliment « Oui, officier, c'est moi qui ai causé ce tapage nocturne. » Il va payer les 50 livres d'amende et ainsi il aura un alibi en béton. Mais, malheureusement, la merveilleuse Lady Julia perd le contrôle et écrase un passant. Par contre, le prince Roger ne veut pas porter le chapeau pour ça non plus. Alors lui et la reine mère payent le silence de la merveilleuse Lady Julia.
C'est presque la fin. J'ai ici un mandat pour fouiller votre appartement, où j'espère retrouver une partie des 5000 livres et quelques bricoles en plus. Alors, est-ce que je dois fracturer la porte d'entrée, ou vous allez me donner les clés? Qu'est-ce que vous faites ici? Excusez cette liberté, chef. Je cherchais vos clés. Je suis pas aveugle, c'est ce que je vois. Vous allez comprendre. Le placard de Shelby est verrouillé. Si c'est lui qui a volé les bijoux, et qu'on les trouve, eh bien... Ce serait plus pénible encore pour sa femme. C'est ça. C'est à ça que je pensais, chef, oui. Et tu comptes les rapporter, c'est ça? S'ils y sont, oui. Tu changes de registre plus souvent que Paul McCartney sur ses disques? Une minute, tu es à cheval sur le règlement et tu me sermonnes parce que je l'adapte un peu à ma façon, et la suivante, tu es le redresseur de tort qui veut fracturer le placard de Shelby parce que tu n'aimes pas les voleurs juste sur une présomption. Et maintenant, tu joues les Monsieur Bons Offices, tu veux le fracturer cette fois, mais pour protéger sa veuve. Je ne te comprends plus du tout, mon garçon. Monte. Vite. Oh putain, merde. Oui, il faut... On tient le braqueur! Ah, bravo. Le suspect quitte le garage. Suivez-le à distance. Mais ne l'interceptez pas. Je répète, ne l'interceptez pas. Un dessert, madame. Juste un café, c'est tout. Monsieur. Très bonne adresse, vous avez bon goût. Oh, bonjour, inspecteur. Oui, voulez-vous goûter leur foie gras? Il est divin. Non, merci, madame. J'ai déjà mangé un sandwich aux œufs brouillés. Je vais m'asseoir avec vous si ça ne vous dérange pas. Non, alors, merci. Une tarte tatin, s'il vous plaît, Michel. Sacré boulot que cette histoire de rodéo, madame. Mais tout est clair à présent. Roger reconnaît qu'il a très mal agi ce soir-là, n'est-ce pas, chérie? J'essayais de protéger Julia. Cela aurait été très noble, mais en d'autres circonstances, non? Oh, oui. Merci, Michel. J'ai mal agi et j'espère être puni pour cela. Bravo, monsieur. Bravo. Oh, dites, est-ce que vous auriez l'heure sur vous, très cher? Non, désolé.
J'ai cru entendre, madame, que non seulement vous avez payé le faux témoignage de cette fille, mais que vous allez créer en plus un fonds spécial pour indemniser la veuve de la pauvre victime. Oui, ça me paraît tout à fait normal. Et que vous allez mettre à la disposition de la femme et du fils de Shelby une somme de 5000 livres prise sur vos deniers personnels. Et l'on dit que l'argent n'achète pas tout. Bon, je vais vous laisser entre gens de bonne compagnie pour déguster votre crème de menthe frappée ou votre tarte tatin. Oh, oui, j'allais oublier une toute petite chose. Roger Massier, je vous arrête pour le vol avec violence au Sherwood Club qui s'est produit en fin de soirée lundi dernier. Votre complice a tout avoué. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz à partir de maintenant pourrait être retenu contre vous. Est-ce que vous comprenez? J'attends? Oui. Parfait. Désolé d'avoir gâché votre repas, madame, mais je ne suis pas pressé. Finissez votre dessert. Allez, faites reculer ces personnes. Alors, c'est où? Au numéro 25, monsieur. Il y a des otages? Nous pensons qu'il y en a deux, monsieur et madame Darbonne, les occupants de la maison. Tout le monde a été évacué? Presque, monsieur. Excepté la famille au numéro 36 qui refuse de partir. Refuse? Elle n'a pas le choix. Qu'ils partent. Même par la force, mais qu'ils partent. Oui, monsieur. Voilà. Bon. Prenez tous vos positions. Et laissez-moi le temps de négocier. Je sais qu'il a tué l'un de nous, mais si on peut éviter le bain de sang, tant mieux. C'est compris? Non. Non, tout va bien, c'est sûr. Ça ne prendra que quelques minutes. Si vous me faites pas d'embrouille, je leur ferai pas de mal. Alors tirez-vous. Vite, elle m'étouffe. La ferme. La ferme. Vous m'avez demandé. L'un des otages est très malade. Oh. La femme. Apparemment, cette personne souffre d'asthme. Et Jim Allen l'a persuadé de faire un échange, Jack. Mm-hmm. Les deux otages contre l'un de nous. Et c'est vous. Juste le jour où je voulais me coucher de bonne heure. Apparemment, il veut... Il compte sur vous. Ça vous fait plaisir de m'annoncer ça, n'est-ce pas, monsieur? Quand vous serez parvenu sur les lieux, essayez de le persuader de sortir les mains en l'air. Oh, oui. Et je vais peut-être le persuader de venir en vacances avec moi. Donnez-moi mon gilet. Oui, il va venir, Ron. Oui, il vient vers vous. Il approche de la maison, vous le voyez? Vous le reconnaissez? Oui? Alors c'est parfait, laissez-le entrer, Ron. Ronnie? C'est moi, Jack Frost. Où es-tu? Moi, j'arrive en haut de l'escalier. Et voilà, vous pouvez entrer. Maintenant, laisse-les partir. C'était le marché. Maintenant,
Qu'est-ce que tu veux? Allez, parle, Ronnie. Je veux une voiture avec le plein pour me tirer, et je veux que tous ces flics se cassent. Ne joue pas au dur, Ronnie. Tu sais qu'ils ne t'accorderont rien de tout ça. Ah oui? Ah oui? S'ils veulent aggraver le tableau de chasse, ils n'ont qu'à le dire. Approchez-vous, bande d'enfoirés! Écoutez! J'ai pas fait que du bien dans ma putain de vie. Mais j'ai pas tué ce flic. J'étais chez Bête planqué pour ne pas me faire flinguer. Vous l'avez déjà vu? Vaut mieux être en prison que de vivre sous son toit et de partager le même lit. J'étais pas sorti de sa saloperie de cage jusqu'à ce que je vois ça à la télé. Demandez-le lui, elle vous le dira. Alors, si tu n'as pas fait ça, Ronnie, qu'est-ce que tu fais ici? Ils sont persuadés que j'ai tué ce flic, un de vos collègues. Je pointe ma tête dehors et ils me l'explosent. Ces mecs ne pensent qu'à me trouer la peau. Les armes, ça fait peur aux gens. C'est pour ça qu'on en avait pour faire la banque, pour entrer et sortir de là vite fait. On balance une balle au plafond pour leur faire peur. Et ils lèvent les mains en vitesse. C'est pour ça qu'on avait un flingue, pour agir très vite. Pour faire peur et non pour tuer. Et ce garde a voulu jouer les héros. Et tout a basculé. Par contre, là encore, c'est pas moi. J'ai jamais tué qui que ce soit, bon sang. Donc tu ne vas pas me tuer, n'est-ce pas, Ronnie? Alors pourquoi tu ne poses pas ton arme? Vaut mieux avant d'avoir un accident. Je n'ai pas tué ce flic, merde, je vous le répète! Arrête. Car moi, je te crois, Ronnie. C'est vrai. Oui, moi, je te crois. Vous, oui. Mais tout cela... Tu me fais confiance, hein? C'est pour ça que tu as voulu que moi je vienne, parce que tu sais que tu peux me faire confiance. Oh oui, et puis parce que j'ai peur. Je ne veux pas que tu sois tué. Et je ne veux pas me faire tuer. Alors... Viens, on descend l'escalier et on sort gentiment. Et ne me laisse pas tomber, d'accord? Parce que je te surveille, et si tu m'as menti ou bien si ces chiens tentent quelque chose, je vais faire exploser ta petite tête de flic, c'est vrai, et je le ferai! Ne t'énerve pas, Ronnie. Oh mon Dieu. Ça va? Oui, bien. Tu sais, le médecin légiste veut me voir. Il pense avoir trouvé quelque chose pour Shelby. Tu veux venir? Ou tu as vu assez de cadavres pour aujourd'hui? Oui. J'ai perdu, de toute façon. Alors, Doc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, commissaire, Shelby a reçu la charge ici, derrière la tête. Bon, ça c'est acquis et c'est vrai. Mais c'est ici, à la sortie, que ça cloche. Ce n'est pas le genre de blessure faite par un riot gun. Donc, je l'ai passé au rayon X. Vous voyez ici, à côté des plombs qui, eux, proviennent bien du fusil à pompe, il y a des petits fragments de métal, ici et ici également. Oui, ce qui veut dire? Eh bien, je dois faire d'autres tests, mais ce que je peux dire, c'est qu'on lui a tiré dessus deux fois.
Une fois avec un pistolet ou un revolver, et après, avec un riot gun. Vous voulez dire à des heures différentes et par des personnes différentes? Expliquez-vous. Non, je n'ai pas dit ça. Je pourrais dire ça dès que j'aurai déterminé le temps écoulé entre les deux tirs, dans la tête et avec quel type d'arme. Mais en ce qui concerne des tireurs différents, je ne peux rien dire. Mais pourquoi le même homme aurait tiré deux fois, avec deux armes différentes? Ça, c'est votre boulot, inspecteur. Mais pour moi, il est clair que le deuxième coup a été tiré de façon à effacer les traces du premier. J'ai vu cet homme brandir son fusil et le pointer sur l'inspecteur. J'ai vu l'inspecteur lever ses bras comme pour se protéger le visage. J'ai tout de suite pensé qu'il allait tirer. J'ai considéré que la vie de l'inspecteur était menacée. Alors j'ai fait feu. Il va y avoir une enquête, bien sûr. Et de nombreuses questions à éclaircir. Ce qui est logique. Je n'irai pas jusqu'à dire que je souhaite pour nous tous une heureuse conclusion de cette affaire. Mais vous pouvez compter sur mon appui. Et sur l'appui de tous les officiers de cette division. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur Mulette veut vous voir. Vous volez. J'ai dit, ouvre-le. C'est l'album photo de Shelby. Je ne comprends pas. En voyant les photos de ta femme comme ça, tu as perdu les pédales, fils. Ça, tu le comprends très bien. Tu l'as tué, pas vrai? Tu as d'abord tiré avec ton arme de poing et tu lui as explosé la tête avec ton riot gun pour brouiller les pistes et faire croire que Eustace avait fait ça. Mais je peux te prouver que c'est toi qui l'as fait. D'accord, d'accord. Au début, je n'avais que des soupçons. Ce n'est pas une preuve pour un tribunal. Mais c'est quand j'ai trouvé cette balle et quand j'ai voulu savoir de quelle arme elle provenait, vois-tu, et j'ai trouvé. Je vais t'envoyer au bagne, fils. Je vous ai sauvé la vie. Mais le vouliez-vous, inspecteur? Le vouliez-vous vraiment? Inspecteur! Oui? Regardez ça. Alors, vous êtes content avec Sam? Moi. Je suis fou de joie. Excusez-moi, j'avoue que j'ai fait une bêtise. Pour mes bijoux, je veux dire. C'est le monsieur de l'électricité qui me l'a dit quand il est venu faire le relevé la dernière fois. Je suis trop petite et je lui ai demandé de les mettre au-dessus du compteur pour moi. J'espère que ce jeune policier n'a pas eu d'ennui à cause de ça. C'est tellement facile de faire des conclusions trop hâtives, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est certainement vrai.
Montez, je vais vous reconduire. Oh, merci, c'est très gentil. En route.